Ouais, ouais. Ouais, je vais répondre. Aujourd'hui, devant la justice, je sais qu'il y a tout un complot contre moi et contre toute une famille politique, la Mouka, et contre tout un peuple. C'est un combat pour la liberté, j'irai jusqu'au bout. Ils peuvent compter sur ma détermination. Je vais répondre. Il y a certaines questions que je ne peux pas évoquer au jour d'aujourd'hui. En principe, je ne pouvais pas venir répondre. Il y a trop d'irrégularités. M. Godempoï a levé mes communautés sans m'avoir entendu. C'était une violation grave à la Constitution de la République. La Constitution dit que toute personne accusée a le droit de se défendre. Je pense que si ce magistrat est correct, il ne m'entendra même pas, parce que j'ai déjà introduit un recours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vais lui présenter ce recours-là et je crois que je pourrai retourner chez moi. Donc vous pouvez compter, il faut leur dire que je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout. Ça c'est sûr. C'est le sujet de Bosque Togo. Oh, c'est vrai, bon. Mettez le papi. Il faut l'appeler, non? Ouais, un bac. Ça va? Ça va la copie, là? Tu peux l'avoir? Ça, c'est la copie. Ça, c'est la copie de mon recours. Godempoï en a fait une affaire personnelle. Il a levé mes immunités sans m'avoir entendu. La Constitution de la République est claire. Toute personne accusée a le droit de se défendre. Ça, c'est un recours administratif que j'ai adressé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc, il n'y a pas de raison que cet avocat général m'entende. Donc, nous sommes encore à l'étape de la procédure administrative. À Godempoï de répondre à mon recours, que je vais, si sa réponse ne me satisfait pas, je vais encore attaquer sa réponse au Conseil d'État. C'est une longue bataille judiciaire qui commence. Godempoï pensait que c'était facile. Non, il n'emportera pas, c'est impossible. Et je crois qu'au-delà de cette affaire, vous savez que demain, je comparerai encore dans une autre affaire, celle de ma suspension, pour une année avec privation des salaires. Et il y a deux semaines, le juge qui devait statuer sur cette affaire a été dessaisi du dossier. Et c'est demain, en fait, que nous aurons la nouvelle audience. Et j'ai décidé, là encore, d'aller en appel. Et je vous exhiberai toutes les irrégularités qu'il y a dans ce dossier. Un juge qui est commis via une ordonnance, et les délais étaient impératifs, il devait forcément rendre le jugement ce mardi-là. Ce juge-là est dessaisi. Et un autre juge qui n'a pas qualité, qui n'a pas été désigné par ordonnance, siège et statue et renvoie à deux semaines pour revoir tous les débats. Nous reviendrons. Donc je suis disposé à répondre devant la justice. Ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent compter sur ma détermination, jurer jusqu'au bout. Il s'agit d'un combat pour la liberté. Ce n'est pas le combat de Mkeba. Et si ce n'était mon combat, je crois que je me contenterai de mes deux gosses à la maison et je pourrais bien me battre pour les envoyer à l'école. C'est un combat pour la liberté au nom de la Mouka, au nom de tout un peuple. Nous nous battrons jusqu'au bout. Merci. Non, je crois qu'on va prendre beaucoup de temps. C'est ça, Pardon, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît.
on n'est pas des journalistes. Allez, c'est fini. On n'est pas des journalistes. Ok. Derrière la personne. C'est là. C'est là. Ça sonne. Ils ont pas la de prendre. Rien.